vous avez une petite idée de la date de création du village ou du siècle? 1168 ou 11e ou 12e siècle. Oui, effectivement, le village a été créé à vos alentours du 11e, 12e siècle. Et la question qui suit, ça peut être laquelle, Augustine? Pourquoi il a été créé ici? Ouais. Pourquoi est-ce que Saint-Laurent a été créé ici, à cet endroit? Mathieu? Les moines. Yolande? Parce qu'il y avait de la forêt. Oui. Est-ce que vous savez d'où venaient ces moines? Ils venaient de pas très loin. Raphaël? De l'abbaye d'Arles. Oui, ils venaient de l'abbaye d'Arles-sur-Tech. Hein. Et puis quand ils se sont implantés, petit à petit, les petits fermiers qui vivaient aux alentours, les petits paysans sont venus se regrouper autour de ces moines qui les protégeaient. C'est comme ça que petit à petit est né un petit village. Eh bien, j'ai commencé à aller à l'école donc, à 6 ans. Mais à l'école, à pied. On avait une heure le matin, une heure l'après-midi pour aller à l'école et pour revenir. Et on faisait ça donc en passant en Plaboula, Camateo, le Noueil. On sortait là, pas loin d'ici. Et on arrivait à Saint-Laurent à l'école. Et à l'époque, on allait à l'école à 8 heures, pas à 9. En hiver, ben, c'était de nuit le matin pour pouvoir aller à l'école. Maintenant, les gosses, c'est les tablettes, les ordinateurs. Nous, c'était, on courait dans les bois et on faisait des cabanes, on faisait des... C'était une vie un peu sauvage qu'on avait, quoi, tout en liberté. Les vacances, c'était boulot à la maison. Garder les vaches, ramasser du foin. On avait une instite. C'était la femme du médecin du village. Et elle était... Et alors, elle m'a foutu dehors, je ne sais pas, je devais faire une connerie, elle m'a foutu dehors. Et moi, comme j'étais grand, à la fenêtre, je faisais les messiles. Elle est venue dehors, il y avait un marronnier dans la cour, elle me poursuivait autour du marronnier. Pourquoi, à votre avis, est-ce que les charbonniers sont venus s'implanter ici, si on regarde un petit peu notre environnement? La forêt. Tu me dis la forêt. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la forêt? On peut faire du feu. Alors, on peut faire du feu. Et si on brûle le bois, qu'est-ce que ça nous donne? On faisait des charbons de bois avec mon père et mon oncle. Et je suis parti parce que ça de passer moi enclavé dans une ferme ou un truc comme ça, faisant des charbons, ça ne me plaisait pas. Et je suis venu ici, j'ai travaillé dans le bois aussi, mais ce n'était pas pareil. Tu rentrais tous les soirs à la maison. Ouais. J'ai fait l'école jusqu'à 14 ans et heureusement j'avais un peu de bonne tête, mais mon père voulait que je travaille pour continuer l'école, vous comprenez? Et je suis parti à travailler et voilà. À 14 ans, j'ai commencé à travailler dans les bois et là, l'été, sorti les chênes à Liège. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la forêt? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la forêt? Il a parti un gros cochon, que malheureusement, je l'ai raté. Hein? Et il est venu à côté de Bosch d'en Cors, hi ha obert una xena a Jerome Vergès. Eh? M'he bien obert, eh? Terrible, això. Se vos sabe, se gros sanglier i són pa vidanga, són meixanga. Le lièvre, c'est un animal qui est très, très malin et qui se défend, quoi. Il se défend avec les chiens, il les trompe, il leur font un peu de tout, quoi, aux chiens. Je veux dire, il se cache, il les laisse passer, il revient sur son chemin. Et voilà, c'est pas un gros gibier qui laisse beaucoup de traces.
où il faut les chiens qui mettent vraiment le nez par terre. Hein. Moi, je suis venu là quand j'avais 16 ans, à faucher de blé. À pied, on venait le matin et on descendait le soir, de tapis. Et au village, j'ai commencé à... Je ne sais pas quel âge, on devait avoir 13 ans ou 14 ans, en cadet, 13 ans, jusqu'à 32 ans. Alors, normalement, je devrais toucher la proportionnelle, là, hein, une retraite. Hein. Enfin, c'était du rugby amateur. Quand l'équipe de rugby se déplaçait, ils descendaient en deux bus ou trois bus dans la plaine. Et on les appelait les Américains, les gens de Saint-Laurent. Parce qu'eux, ils pouvaient se déplacer en bus et les autres, ils ne pouvaient pas. Donc, ils louaient un bus pour aller sur l'équipe de rugby. Oh, on avait fait quelques bonnes sorties, mais enfin, on n'avait jamais eu trop de chance. On était peut-être un peu trop jamais footiste aussi. Si on jouait au rugby, un peu pas. C'était le plaisir à l'état pur. Appelons Saint-Laurent de Cerdan. Parce qu'en fait, il y avait des gens de Cerdan qui sont venus à Saint-Laurent de Cerdan et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Saint-Laurent de Cerdan. Alors oui, hein, il y a plusieurs explications. Quelles sont les autres questions que vous aimeriez poser ou que vous vous posez sur votre village? Dis-moi, Enzo. En quelle année a été créé le 8 à 8? En quelle année a été créé le 8 à 8? Alors, tu sais quoi? Je ne la connaissais pas, la réponse. Oui, donc je m'appelle Serge. J'ai repris le magasin avec mon épouse à l'époque, le 17 avril 1997. C'est le magasin que j'ai repris à M. Madère, qui s'appelait à l'époque Midi-Prix. Et maintenant, il s'appelle 8 à 8, qui appartient au groupe Carrefour. Y a-t-il d'autres questions que vous vous posez par rapport à Saint-Laurent? Julia. Pourquoi il y a plusieurs villages qui s'appellent Saint-Laurent? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs villages qui s'appellent Saint-Laurent? C'est vrai que... Quel autre Saint-Laurent vous connaissez? Quels autres Saint-Laurent, Enzo? Saint-Laurent de la Salange. Qui est pas très loin de chez nous, oui. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Solène. Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurent-du-Maroni, c'est où Saint-Laurent-du-Maroni? Est-ce que quelqu'un sait? Dans la Loire. Ah non. Non. En Guadeloupe? Non plus. En Espagne? Non, c'est en Guyane. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on s'appelle Saint-Laurent, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Saint-Laurent? Alors, les villages, ils ont toujours un Saint-Patron. Et nous, ben, c'est notre Saint-Patron, c'est Saint-Laurent. Hein, donc, Saint-Laurent de Cerdan, avec notre fête, la Festa Major, le 10 août. Moi, j'ai une anecdote que bon, maintenant, on a des vacances pour le carnaval. On n'avait pas de vacances pour le carnaval. Ça n'existait pas. Mais le carnaval, c'était le dimanche, le lundi et le mardi. Donc, le mardi jusqu'au mardi gras. Et là, les enfants de Saint-Laurent... Ils n'avaient pas école le lundi après-midi et le mardi après-midi. Mais les enfants de la campagne, on devait aller à l'école parce que bon, ben, on n'était pas à la maison. Ou alors, il fallait que quelqu'un nous prenne en charge. Au village, quelqu'un de la famille se porte garant pour les enfants pour qu'on puisse sortir à midi. Le soir, allez, une lampe électrique, on allait voler des cerises ou des fraises. Et tu sais ce qu'on faisait quand on allait... Quand on allait voler chez quelqu'un, on avait un gars là-dessous. Quand on y allait, on lui tapait à la porte pour lui dire qu'on allait à son jardin pour qu'il vienne nous poursuivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme fête traditionnelle? La fête de l'ours.
Alors, on a la fête de l'ours à Saint-Laurent. Tu as raison. C'est une tradition très, très, très ancienne, très ancrée à Saint-Laurent et que tout le monde aime beaucoup. Mais ça nous vient d'où, cette fête de l'ours? Est-ce que vous savez? Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure dans les textes anciens qu'on trouvait, il y avait toujours cette figure de l'ours et de la femme qui pouvait s'appeler la Rosamund, la Rosaure, qui avait toujours ce nom de, qui se rapproche de Rosette. Donc, ces trois personnages vont se rencontrer. Voilà, là c'est quand justement la Rosette et le trappeur sont allés chercher l'ours, et une bagarre qui va éclater, et l'ours va être capturé et promené dans tout le village. Après avoir fait la prédique de place en place, il est amené à grande place, où là, une cabane est construite. Et l'ours amène une jeune fille, avant la Rosette, maintenant n'importe laquelle, avant d'être rasée. On a des textes anciens, des années 20, où on sait que la cobe, la grotte, était bien présente à Saint-Laurent-de-Cerdan. Mathieu, tu as une autre question peut-être? Qui est la personne la plus âgée du village? Ah, bonne question. Quelle est la personne la plus âgée du village? Tim. Le maire? Non, monsieur le maire est âgé, certes, mais ce n'est pas la personne la plus âgée de Saint-Laurent. Il y a encore plus âgé. Oui, Elka. Il y a Marcel Pitch qui a 103 ans. Elle a 103 ans, cette dame. Vous imaginez, 103 ans. Elle a vécu la Première Guerre mondiale et la Seconde. On ne peut pas parler de Saint-Laurent sans noter que Saint-Laurent a une attirance pour la musique et tout ce qui est chorale, musique de cobles, musique catalane, tradition. On est en train actuellement de fêter les 150 ans de l'Orfeo. C'était un des premiers groupes chorales du département, avec bien sûr nos deux compositeurs fétiches de la fin du 19e siècle et début du 20e, De Manresa et Jacques Denoy. On doit parler également de la coble Els Unics avec le fondateur Damien Courdomy. Et puis tous ceux qui ont suivi par la suite, avec Louis Torrent, qui a monté son orchestre à Sacoble, avec le Réveil Laurentin, les fondateurs que sont Jean Roche et Seya, et puis également, dans les années 80, la bande El Tirons, bien sûr, qui est encore de nos jours en plein essor, et tous ces musiciens, tous ces apprentis musiciens, tous ces gens qui ont touché à la musique grâce à l'école de musique créée dans les années 80. Et la tradition se perpétue encore, bien sûr, avec la coble principale de Rosselló et l'Orfeo qui est encore en liste et toutes ces traditions. Alors dites-moi, si on compare le Saint-Laurent d'autrefois et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Aïnéa? Oui, avant il y avait beaucoup plus d'usines. Des usines d'espadrilles. J'habite à la maison familiale, là, dans la rue. Là où mon grand-père a commencé à faire des espadrilles. Et mon père a fait construire l'usine nouvelle, et voilà. Et moi, quand je suis arrivé, je l'ai un peu agrandi. Et maintenant, l'usine sert de salle de fête. Alors, qui peut me dire quelle est la première personne qui a créé la première usine avec des machines pour créer des espadrilles? Mathieu? Joseph Sens. Oui, ce monsieur s'appelait Joseph Sens. Alors aujourd'hui, cette usine n'existe plus. Elle s'appelait l'usine Sens et Garcerie. Mais on trouve d'autres usines. Alors, il y en a une qui va créer du tissu. Est-ce que quelqu'un est capable de me donner le nom de cette usine? Toiles du soleil? Ce sont les toiles du soleil, oui. Moi, quand j'ai repris encore, on était 17 ou 18. Et je crois qu'ils étaient plus de 20 ou 25 avant. Entre entreprises assez importantes qui avaient 40 ou 50 ouvriers ou 60. Et les petites entreprises de 3, 4, 5, il y en avait
Oui. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a deux usines, Création Catalane et l'Étoile du Soleil. Mais il y a très longtemps, au début du XXe siècle, on avait énormément d'usines. Hein, et il y avait énormément d'habitants de Saint-Laurent qui travaillaient dans ces usines. Moi, j'ai toujours vécu ici, à part la période du service militaire. Et de l'école, quoi. J'étais à l'école à Perpignan, j'étais à l'école à Perpignan, mais chaque week-end, on remontait au village, quand même. Hein. Et le service militaire, j'étais à Istres aussi, et si c'était pas chaque week-end, c'était un week-end sur deux où on rentrait au village. Hein. C'était... Mais après, j'ai toujours vécu ici. Hein. Alors il y a des gens qui des fois te disent oh, « je me demande comment vous pouvez vivre ». Moi je leur dis « je me demande comment vous pouvez vivre en ville hein. ». Parce qu'ici, ce qu'on avait aussi, mettons, on travaillait, hein, mettons moi je travaillais, bon j'ai toujours travaillé pour moi ou avec mes parents, mais je sais que quand je fermais la porte de l'usine, j'étais en vacances. Hein. Paul, dis-moi, est-ce que tu peux me dire combien il y a d'habitants aujourd'hui à Saint-Laurent? Non, je sais tu pas. Ne sais pas? Est-ce que quelqu'un peut t'aider? Moi. Enzo? 1100 habitants aujourd'hui, oui, c'est ça. En janvier 68, hein, il y avait 3000 à passer, hein, d'habitants. Ça change à 100%. Tu sais, chaque partie de la vie a ses bons moments et ses mauvais moments. Hein. Le lièvre, par exemple, quand je le tue, moi, du moins moi, je voudrais que Dominique soit de nouveau sur les quatre jambes et qu'il reparte pour que je puisse le retrouver le lendemain. Je ne sais pas si on est privilégié ou alors si on nous en veut, mais partout où il faisait mauvais temps, nous, on avait beau temps. Moi, ça dépend quel métier je fais, mais je voudrais bien rester ici, quoi. Et après, moi, j'aime bien la chasse, la pêche. Alors, aussi, dans le village, j'aime bien faire du judo. On peut faire du vélo, on peut faire d'équitation. Il y a aussi une magnifique rivière où on va très souvent, parfois pour se baigner, pour se tremper les pieds. On peut aller chercher des champignons. On a l'air de la montagne, il n'y a pas de pollution. Comme c'est petit, je préfère parce que comme ça, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de camion. On est tranquille et il n'y a pas trop de bruit et on fait notre vie. Comment dire? Tranquille. Il y a des écoles qui sont chouettes et on peut se faire plein de copains et de copines. Moi, j'aime bien habiter à Saint-Laurent parce qu'on se sent en sécurité. C'est pour ça que j'aime beaucoup Saint-Laurent. C'est une ville très belle. C'est un beau petit village. C'est pour ça que ça me plaît, c'est vraiment. La 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 la
sotto la lune offerte, un complesso desperte, passa da bravi e di festa maggiore, al pepì della campagna, tozza sa. Thank you.